Est-ce que vous connaissez qui ça un ETF avec un mutual fund? ETF veut dire Exchange Traded Funds. Mutual Funds, Mutual Funds. Ça qui, pour nous retenir dans deux ça, c'est que yo, tous les deux, c'est un panier de fonds que vous avez. Ça veut dire que c'est un groupe d'investisseurs même qui intéressé avec un type de stock, un type d'industrie, et puis yo groupé stock ça yo dans un seul fonds. On nous prend un exemple. On prend par exemple un nègre qui remet machine ou bien un investisseur. Les groupés, les créer un fonds, les carrer les fonds véhicules. Les mettez Ford la donne. Les mettez Toyota la donne. Les mettez Mercedes, lui-même qu'a mettait Harley Davidson, lui mettait autant que livré, autant que les cajouen. Comme ça tout, ou quand un deuxième monde lui-même qui remet hôtel, la donne, lui mettait Marriott, lui qu'a mettait Best Western, lui qu'a mettait Oasis. Donc tout ça, c'est eux-mêmes, ils fait partie de un panier de stock, un panier d'actions, côté que ou même qui besoin acheter, c'est que ou même intéressé avec hôtel, ou t'es qu'à aller pour aller checker un hôtel directement, mais si vous dites que au lieu que m'acheter un stack dans Marriott, 3 dans et Oasis, 4 dans Ramada, t'es préféré aller m'acheter qu'on est malgré ouais, est-ce que gagner un ETF ou bien un mutual fund qui peut permettre de faire ça. Généralement, leur acheter un fonds, par exemple ETF, nous relie Exchange Trade Funds, ou acheter dans toute entreprise ensemble, ou uniquement acheter ETF. Donc, comme ça, il peut être distribué dans plusieurs entreprises qui en dans font ça, ou même on va prendre compte de ça. C'est-à-dire que si que Ford n'a pas performé bien, mais Toyota a performé bien, Kobua ou censé rejoindre ou pas perdre le droit. Ça, si ça, c'est lui-même, c'est un ETF lié. Mais différence qui va gagner entre un ETF avec un mutual fund, on nous par exemple que hôtel là, lui-même était un mutual fund. Lui-même l'a acheté. Ou pas acheté dans tout. Aussi vrai que ou acheté dans fond ça, dans mutual fund là, mais qu'on a pas choisi qui est trouvé là-dedans. Et généralement, l'a acheté dans ça, il y a un monde cap gérer le pour gagner un expert lui-même qui va gérer fonds pour qui va cause que vous payez on fee on frais chaque année on taxe pour permettre que ou même ou pas gain trop bagaille pour faire. Le parle de mutual funds les plus focus les plus populaires dans le domaine du travail. Par exemple, on va parler de IRA, on va parler de TSP, on va parler de 401k, on va parler de retirement, pension, yo même, lors entre là-dedans, yo ou pas choisi, ou pas dit que moi pas investi dans mutual funds. Il y a plusieurs. Qu'on a ou pas dit, est-ce que ou pas fait un IRA ou bien un Roth IRA, est-ce que ou pas investi dans TSP? TSP c'est un fonds qu'on pas lié lui-même, qui gagne toute la donnée, ou pas prendre, est-ce que ou pas bon 401k et dans retirement, ou pas prendre comme ça. C'est comme ça que fonds ça yo même, yo marché. L'autre défaut, c'est pas gagner encore. Regardez un ETF, ou un ETF lui-même, les plus voulait sembler, ou d'ailleurs, il semblait avec un index funds. Comment que nous allons définir? Nous allons définir index funds. Nous allons définir, nous avons dit par exemple, l'autre on a parlé de, on dit que marché a la, bien marché parce que Dow Jones, lui, bien, il finit journée à 3%. Ou bien il parle de Nasdaq, ou bien S&P 500, ou bien il parle de NYSE. Ça, même, c'est un tape, c'est un type de index que vous voyez, index en ETF, voulait sembler, d'ailleurs, il semblait avec un index fonds, tandis que, en mutual fonds, c'est même, il voulait surpasser, il voulait dépasser, il voulait faire route par lui-même pour le cas quitter un index fonds. Donc, c'est un travail qu'a fait depuis quelques temps, même parce qu'il y a un pile monde qui investit dans mutual funds, on capte travail,
a investi dans un 401k, on a travaillé pour le gouvernement, a investi dans TSP. Et dans TSP, a pris un commando, est-ce que vous voulez gagner un IRA ou bien vous t'en remettez? Ça, c'est comme ça pour nous comprendre qui ça a donné les ETF ou bien Mutual Funds. L'autre avantage Mutual Funds offrit, c'est que ou gagner moins risque la donne parce que ça yo pas changé à n'importe quel moment. Et comme ça, so comme vous mettez en côté, que l'offre en retraite ou qu'à retirer comme ça. L'offre investit dans mon ça yo, comme ça ou pas qu'à retirer. Tandis que, parce que si vous même cap contrôler ETF là, pas gagner moun qui prend de côté pour investir, qui va contrôler dans l'époux ou pas payer frais, à n'importe quel moment ou qu'à retirer comme vous non. Et non, ETF ou bien non, index funds. Mais différence est gagnée entre un ETF avec mutual funds, c'est que vous avez besoin de plus d'informations ou plutôt pour connaître comment pour identifier ETF avec mutual funds, pas hésiter, contactez-moi, ma banque d'informations, côté pour nous aller, pour nous prendre bonne décision, pour nous investir mieux et bien, pour nous investir pour le futur. Merci.